J'aurais du mal à lui avoir annoncé parce qu'elle n'est pas encore rentrée. Oui, mais je l'attends. Oh, je sais pas, que j'ai quelque chose à lui dire. Ah, maman, j'ai un double appel. Ah, maman, il faut que je te laisse, c'est Emma, je te rappelle, hein. Oui, 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 non mais maman, il faut que je raccroche tout de suite. Oui, maman, il faut que je lui réponde. Bon, promis, je te rappelle, je te tiens au courant, promis. Allô? Allô? Oh là là, ben ça commence bien. On va pas s'en sortir, hein. Allô? Oui, ma chérie. Oui, ça va? Oui, pardon. Non, mais j'étais en ligne avec... avec ma mère, oui. T'as deviné? Oui, non, je suis rentré plus tôt que prévu. Moi, j'avais pas mal de choses à faire après le boulot à la maison. Et toi, ça va? Tu rentres bientôt? Ah, ok. Non, ben, c'est pas grave, ma chérie. Non, non, mais prends ton temps, règle tous tes soucis. Moi, je t'attends, et puis on va se passer une soirée tranquille à la maison. Oui, non, 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 c'était juste histoire de se détendre tranquillement tous les deux. Tu penses finir tard? Ah, ok, non, bon, ben, ok, c'est pas grave, prends ton temps. Mais non, mais tu vas gérer comme d'hab, mon amour, t'inquiète. Oui. Ok, à tout à l'heure. Je t'embrasse. Et je t'aime. Allô? Allô? Ah bah décidément. Juste ce soir. Emma. Oui, non mais elle rentre plus tard que prévu. Non mais c'est normal, je m'y attendais un peu, ça lui arrive souvent en ce moment. Mais non mais avec son boulot, attends, organiser des mariages, ça réclame une sacrée disponibilité. Oui. Non, rien. Non, surtout rien. Mais je veux pas qu'elle se doute de quoi que ce soit. Oui, je veux lui préserver la surprise. Voilà. C'est ça. Je te tiens encore au courant. Oui, mais laisse-moi le temps de lui faire ma demande, c'est mieux. Ok. Promis. 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 Bisous, maman. Oh là là. Eh, ça va pas s'arrêter de sonner deux secondes dans cette maison, là. Une éternité sans te voir et je débarque là sans crier gaffe. C'est un mot hindi qui signifie ami. Oh, tu parles d'une toute petite éternité alors, mon frère. Sauf si ces 4 ans sous mes vents étaient absolument insupportables. L'Inde m'a-t-on appris. Mais pour moi aussi, ils ont compté pour 1000 ans. Et au bout de 1000 ans, t'as décidé d'écourter ton séjour en Inde pour débarquer chez moi par surprise, tout pile ce soir? Ce soir ou un autre? Ah ben non, un autre c'était mieux. Non, 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 trop mieux même a priori. Non, pardon, hein, je suis très content de te voir, après 4 ans, évidemment. Mais là, non, là, juste ce soir... Ce soir, c'est mon grand retour à l'essentiel et tu en fais partie, mon frère. Ce long séjour en Inde m'a beaucoup apporté. À mon tour, je veux en partager tous les bienfaits. Mais c'est extrêmement généreux de ta part, hein. Seulement, ton grand retour, là, tout pile ce soir, était quand même hautement improbable. Alors, si tu veux bien, tu
Tu sais ce qu'on va faire? On va reporter nos retrouvailles. Hein? À demain, ou après-demain, ou quand tu veux, hein, mais pas ce soir. Non, non, juste pas ce soir. Non, mais ce soir, c'est un bon soir. Je le sens de tout mon être, Vincent, dans le bus. Depuis l'aéroport, je regardais le jour tomber, la lumière était belle. J'étais déjà gagné par une immense émotion à l'idée de revoir mon frère après ces longues années. Oui, mais ce soir, en l'occurrence, j'attendais surtout que tu ne viennes pas. Attends, qu'est-ce que tu étais en train de me dire là, que tu arrives de l'aéroport? Non, non, ne me dis pas que tu arrives de l'aéroport tout droit chez moi pour crécher ici, là, là, parce que t'as nulle part où aller. Oh, tu prends tout ça au tragique, Vincent. Mais ce n'est que pour quelques jours seulement. Non. Ah, dehors. Je pensais que ça ne poserait aucun problème. Tu es mon frère. Mes demi-frères, ce qui explique à moitié les choses. Tu es mon frère Ontier. C'est toi que je voulais retrouver en tout premier de mon retour. Mais c'est l'excuse la plus bancale de toute l'histoire des excuses bancales, là, non, mais c'est surtout mon appart que tu étais pressé de retrouver, Xavier. Vas-y. Tu peux m'appeler Abani. C'est mon nom indien. J'y tiens. Ça signifie terre. Pour quelqu'un qui a pris l'arche pendant 4 ans, c'est tout à fait adapté. Écoute, Xavier... Ah, tu peux vraiment m'appeler Abani. Ah, j'ai cru que t'allais me proposer de t'appeler Bovien. Bon, bref. Écoute, Xavier Abani, je suis très content de savoir de retour parmi nous, hein. Assieds-toi. Mais bon, si je l'avais appris, je sais pas moi, demain, ben, ça m'irait tout aussi bien. Non, parce que là, tu vois, ce soir, j'attends Emma. Emma... Et tu te souviens? Oh là là, la femme qui partage ma vie. Je ne vis plus seul, tu te rappelles pas? Emma habite avec moi depuis 3 ans. Ah oui, Emma! Je vais enfin rencontrer la femme qui rend mon frère si heureux depuis que je suis parti. Ah, tu vois, tu te souviens? Alors comme je te le disais, il y a environ 7-8 secondes, je l'attends avec impatience parce que j'ai quelque chose d'important à lui dire. Et si possible, et j'aimerais le lui dire en tête à tête. Oh non, c'est... encore un autre géolocalisé qui a décidé de ruiner ma soirée? C'est peut-être Emma. Oui, et qui a perdu ses clés là juste ce soir. Oh, décidément. Bien là, même au pluriel, au plus que pluriel. Emma? Emma n'est pas encore rentrée? Non, pas que je sache. Je me disais aussi, il va falloir balayer tout ça avant qu'elle rentre. Sinon, là, tout ce bazar, ça va la faire flipper, hein. Tout ce bazar? Ok. Elle rentre tard? Non mais arrête-moi, tu vois, c'est un peu le suspense là, justement. Là, pourquoi? Mais oh, toi aussi, t'as quelque chose à lui dire? Bonsoir, je suis Abani, ou Xavier, ou Abani. Xavier Abani? Non, non, en fait, Abani, c'est le prénom indien qui m'a été donné. Abani. Ah, sans doute, parce que ça rime parfaitement avec Xavier.
Ah ben ça, au moins, ça rime. Je suis le frère de Vincent. Oui, demi-frère par le père et sûrement aussi par le Saint-Esprit. Je suis enchanté de vous rencontrer. Moi, c'est Marie. Je suis une amie d'enfance d'Emma. On était voisines quand on était petites. Allons, allons. Bon, voilà un gros chagrin. Qu'est-ce qui vous arrive, Marie? Mais vous portez un si joli prénom. Vous savez que c'est un dérivé de Myriam, qui signifie goutte de mer. Ah, ce qui doit sans doute expliquer l'ouverture des vannes. Bon, dis-moi, Marie, alors, qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Oh, il n'y a pas de chagrin insurmontable. L'apaisement est en vous, n'en doutez pas, Marie. Il suffit d'ouvrir grand vos chakras. Mon frère a toujours eu du mal avec ça. Là, ce soir, attends, plus ouvert que ça, je frôle les ventrations. Mes chakras, oui, ils sont tout emmêlés depuis longtemps. Oh, laissez vos pensées positives contrer cette sensation d'acharnement karmique, Marie. Le chagrin, nous, ça va pas sur vous sans raison. Mais c'est vrai. Quand on heurte une porte de plein fouet, Marie, il ne faut pas croire que le monde s'arrête là. Mais oui, des fois, on ouvre sa porte et là, on tombe direct dans la quatrième dimension. Avec les années, les difficultés de vie grandissent, c'est vrai. Elles surgissent même assez tôt. Au moment de la rupture placentaire, en gros. Vincent, j'ai du mal à reconnaître en toi ce pessimiste excessif. Oui, ben, contrairement à l'optimiste absolu que j'étais il y a encore une heure. Non, mais pardon, je suis très content de vous voir tous les deux. Marie, quoi qu'il t'arrive, là, je compatis. Seulement, il se trouve que ce soir, là, j'avais d'autres projets. Ton enfant a 7 ans, son père t'a quitté il y a 6 ans et demi, il serait temps de passer un cap. Mais non, le père de mon bébé. Quoi? Mais qui? Attends, quel père, quel bébé? Non mais, il y a 9 mois qu'on s'est pas vu déjà. Mais non, le bébé que j'attends depuis 3 mois. Ah d'accord, ah ben voilà autre chose, oh, on va avoir du mal à enrayer l'apocalypse. Oh, mais c'est merveilleux, c'est un cadeau du ciel, portez la vie, un bébé, un petit être de lumière. T'es sûr que ton avion à toi était bien pressurisé? Bon, Marie, on savait pas que t'avais rencontré quelqu'un. Ouais, Emma m'avait juste parlé d'un vague plan cul avec une sorte de tatoué décérébré là. Mais non, j'ai rencontré personne. Il m'a trouvé, c'est tout. Il m'a trouvé 3, peut-être 4 fois ces derniers mois. D'accord, ok, je vois. Et alors? On le connaît pas, hein. Elle ne l'a fait que le croiser, du coup, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il s'appelle comment? Nando. Ah, c'est un nom ou un prénom, ça? Prénom. Et il a pas de nom? Non. Ah. Bah quoi? Comme Ken et Barbie, Tarzan, Shrek, Bono, Abani. Oui, ok, on a compris le principe, là. Oh là là, ça s'annonce joyeux, tout ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce Nando? Il s'occupe de sa femme. Plutôt mal, a priori. Ah, Emma, ma chérie. Emma! Namasté! Alors, bienvenue dans mon cabinet. Enfin, chez nous. Bon, tu connaissais déjà Marie, mais tu n'as pas fait connaissance avec mon demi-frère Abani. Je n'ai entendu parler que de Xavier. Oui, non, mais c'est le même. Et là, comme tu le vois, là, il arrive tout droit de Bollywood. C'est dans toi qui rends mon frère merveilleusement heureux. Je t'embrasse comme une sœur. Enchantée, enchantée. Alors là, je m'attendais pas à non, ça. Non, mais moi non plus. Hein. Alors, il a écourté son séjour en Inde et il s'est précipité chez nous, là, hein, depuis l'arrivée de son avion non pressurisé. Emma, j'ai quelque chose à te dire. Oui, non, mais moi aussi. Mais ça, c'était avant. C'était avant que toute la misère indo-lissoise ne se répande là dans notre salon.
C'est ma mère, je la rappelle. Oh, ta maman! Je ne l'ai pas revue depuis si longtemps. Ouais, bah, elle va peut-être débarquer ici, elle aussi. Ah, je me rappelle qu'elle nous gardait souvent ensemble quand on était petits. Elle était douce, tendre, drôle, aimante. Est-ce qu'elle va bien? Vous êtes toujours aussi proche? Oui, ben en gros, tu vois, elle m'appelle toutes les deux heures depuis mon enregistrement à l'état civil. Alors elle t'appelle souvent. Eh bien oui, il s'adore. Oh, mais Marie, toi, qu'est-ce qui va pas là? Est-ce que ton fils va bien? Arthur? Oui, il va. Déjà comme un pré-ado, quoi, vu ses H24 à ses jeux vidéo. Mais il va bien, oui, et nous aussi, on s'adore, heureusement. Bon, mais alors qu'est-ce qui t'arrive? Allez, parle-moi. Je sais hein, que j'aurais pas dû passer comme ça à l'improviste alors que les deux frères fêtent leur retrouvaille, que Vincent n'avait clairement pas fini de faire le ménage, et que toi tu rentres tard du boulot, même si tu fais le job le plus chouette du monde. Organisatrice de mariage, ça fait rêver ça, hein? Passer ces journées à partager le bonheur des autres, oh là là. Si ça peut te rassurer, on ne plane pas tous les jours dans le monde des mariés. Hein. J'en suis au deuxième mariage annulé ce mois-ci. J'en ai marre des histoires de bonheur qui virent à la guerre des tranchées. La plupart des gens ne se marient pas, ils se commémorent. On est plus dans le protocole que dans l'amour et la fiesta, crois-moi. Étrange sensation. Quand même, Emma, tu dois bien rencontrer des gens heureux de s'engager pour la vie. Des gens accomplis, complices, lumineux. Très peu. Trop peu, en fait. Entre les jeunes mariés soumis aux parents pour gérer le jour J, les multi-remariés, puis alors ceux qui s'épousent pour la galerie. Non mais la corde, c'est moi qui aimerais bien leur passer autour du cou. Moi, je suis sûre que le mariage, c'est la plus belle de toutes les aventures. Alors, parfois, on a plutôt l'impression que ça flingue les belles histoires en plein vol. On devrait rendre les défibrillateurs obligatoires dans tous les immeubles, à tous les étages et sur chaque palier. Non mais, Emma, chérie, je comprends, t'es fatiguée, t'as passé une dure journée. L'annulation d'un deuxième mariage te désespère. Mais à mon avis, ce qu'il te faut, c'est surtout de te détendre. Changer de vie. Je vais pas tarder à m'auto-défibriller, moi. De vie professionnelle, je veux dire. Ah bon, ok, je m'accorde un sursis. On dit en moyenne que la vie professionnelle est 17 fois plus longue. Vous vous rendez compte? Je sais pas, ça donne à réfléchir, non? Tu as raison, Emma. Mais s'il y a une chose que tu veux vivre, ne la désire pas. Choisis-la, fonce, réalise-toi. Il faut aller tout droit vers l'affirmation vivante de soi, tu comprends? Les pensées suffisamment positives créent des grands miracles, croyez-moi. Non, alors là, non, absolument pas. Je suis en mesure de vous affirmer que les pensées les plus puissamment positives n'engendrent pas le moindre petit soupçon de miracle. Non, en tout cas, pas ce soir. Mais si! Il faut capter les ondes positives. La vie est une joie, un cadeau, une célébration. Oh, la convulsion, là, ça se voit que tu reviens tout droit de la cité de la joie, toi. Oh, non, mais nous, on part, là. Mais toi, alors, Marie, mais dis-moi, allez, qu'est-ce qui va pas, là? Parle-moi, Marie. Vincent. Vincent. Quoi? On devrait peut-être les laisser séparer tranquillement toutes les deux, aux isolants à l'étage. Ah ben oui, bonne idée. Alors, on n'y habite pas, mais vas-y toi si tu veux. Vous vivez seulement ici? Oui. Allez. On a récemment revendu tous les autres étages. Allez, viens dans la chambre, prends tes affaires, et tu ne dormiras pas là, hein, parce que c'est la seule qu'on a. Allez Marie, dis-moi ce qui ne va pas. Si Arthur va bien, alors c'est toi qui ne va pas. Tu vois toujours là ton type marié, je l'ai croisé une fois, ton poncho là. Nando. Oui, enfin oui, je l'ai revu de très très près il y a quelques mois et de beaucoup plus loin ce matin. Et il a d'autres projets. D'autres projets que quoi? Que de s'occuper de moi et du bébé. Hein? Quoi? Mais quel bébé? Je comprends rien. Ah non! Ah non! Mais t'es enceinte! Mais de combien?
de lui seulement. De 3 mois. Déjà. Ah. Comment je vais faire? J'aurai jamais droit, moi, à une vie normale, avec un type gentil, affectueux. Un peu comme le tien, quoi. Non, moi, c'est Nice to Meet You et du balai. Attends, Marie, ton poncho, là. Nando, Emma. Oui, bon, ton Nando, je l'ai à peine croisé, mais c'est quand même le genre de type avec un quotient intellectuel format pocket, tatoué comme le mur du bronze. Tu pouvais pas quand même imaginer qu'il quitte sa gothique pour fonder une famille avec toi. Sérieusement, Marie, tu lui trouvais quoi, ce type? Ben, déjà, c'est un garçon. Première qualité. Et deuxième qualité, importante. Ben, il était là, jamais longtemps, jamais souvent. Mais j'avais un peu l'impression de vivre un semblant de relation, moi. Marre de ma traversée du Sahara. Dis du désert, Marie. Pourquoi? Le Sahara, c'est plus un désert? Ah si, aux dernières nouvelles, si. Bref, oublie. Oublie, ouais, j'aimerais bien oublier justement que je tombe toujours sur des paumées. Mon plateau télé, ma télécommande et mon ménage à trois, j'aimerais bien que ce soit fini avec 2 grands traits sur les i. Point. Oui, point. Marre. Tu sais, Marie, le bonheur des autres à distance, on a vite fait de l'idéaliser. Hein. Vie normale, relation normale, comme tu dis. Mais la normalité, ça peut rapidement virer à l'ennui tranquille. Bon, Vincent, c'est un prince, c'est vrai. Mais un peu au bois dormant. Oui, bah si les miens, ils pouvaient dormir un peu au lieu de courir loin et derrière une autre, ça m'irait bien. Vincent a besoin de calme, tu vois, du confort de ses habitudes. Alors que moi, j'ai constamment envie de bouger, de renouveau. Rappelle-toi, hein, j'ai mis du temps à accepter de vivre avec Vincent. Car pour moi, les engagements, ça sonne comme des coups d'arrêt. En plus, ces derniers temps, là, moi, j'en peux plus de mon boulot, il faut que je prenne une décision. Puis j'ai un âge où je ne peux plus perdre du temps ou me tromper. Hein. Ah pourquoi, il y a un âge où on peut se tromper? Lequel? Moi, je n'ai toujours pas se passer, hein. Me tromper, c'est même ma spécialité. Et avec des types qui me trompent, en plus. Mais Vincent et moi, on est bien ensemble, mais on est tellement en décalage. Plus on avance, plus nos différences me font peur. Moi, j'ai l'impression d'avoir toute ma vie à revoir en ce moment, là. Je sais plus. Tu sais plus quoi, Emma? Tu m'as l'air de jouer avec le feu, toi, hein? Jusqu'à ce qu'il prenne. Oui, je sais. Je sais plus. Tout ça, tu sais plus, il faudrait savoir. Moi, quand j'ai la rate en cours de bouillon, je me fais une bonne nuit de sommeil. Je fais ça souvent. Tout est si simple avec toi, Marie, mais c'est sans doute toi qui as raison. Moi, tu vois, j'ai besoin de tout comprendre, de tout analyser, de me projeter. Ben, toi, tu fais simple, hein, tu minimises. Ouais, ben ça repose des fois. Tu devrais essayer. Ouais, c'est du repos dont j'ai besoin. Et du temps pour réfléchir à tout ça. Une bonne nuit de sommeil. Enfin, une cure pour toi plutôt. T'es mariée, tu vas tout de suite les mettre au pied, t'inquiète pas. Parce que tu vois, ce soir, Marie, en réalité, j'étais pas retenue par le boulot. J'ai menti à Vincent. Ah ben, de mieux en mieux. Ce boulot te bouffe vraiment le cerveau, Emma. En réalité, je retardais le moment de rentrer parce que j'ai quelque chose à lui dire. Il faut que je trouve le moyen de lui parler. De lui parler? Mais lui parler de quoi? J'ai pas l'impression que tu minimises, là, Emma. Ton film de fée, là, t'en fais un film d'épouvante. Hein, ça me terrorise. Tu veux lui parler à Vincent, parle-lui. T'as quelque chose à lui dire, dis-le lui, c'est pas compliqué. Tu voulais lui parler de quoi, de toute façon, ce soir? Oh! Oh là là! Ma chérie, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Oui.
Ce boulot te mine beaucoup trop. Détestable, ce garçon. On n'a qu'une envie, le larguer. Ça va, c'est juste un petit coup de fatigue, là. Tu sais, j'ai une migraine qui pulse en stéréo, là, mais ça va passer. Oh, la migraine! C'est la manifestation d'une surcharge d'émotions, ou la peur de les exprimer clairement, ou la tentation de les empêcher de s'exprimer, ou alors... Non, mais vous... c'est bon, on a compris. Alors, elle a pas mal à la tête, non, elle. Elle a la migraine qui pulse en stéréo. La clé, c'est la libération émotionnelle. Tu dois libérer tes frustrations, Emma. Voilà, libère tes frustrations, Emma. Pardis, communique. Non, mais oh, on se calme. On parle d'un mal au crâne, pas d'une crise de conscience. Bon, ma chérie, qu'est-ce que je peux faire pour te soulager? Détestable, hein, ça se confirme. Bah, dis-moi, parle. Qu'est-ce que je peux faire? Vincent, on n'interrompt pas un silence. On interrompt sans scrupule une soirée en amoureux. Non mais l'ironie est à son comble quand même. Bon, et si tu les libérais tes frustrations? Je vais me permettre à nouveau d'interrompre un silence. Et là, je ne comprends pas bien le sujet qu'on n'aborde pas là. Banani, je pense qu'on va laisser les amoureux seuls un instant. Je suis sûre qu'ils ont plein de choses à se dire. Ah mais non, 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 restez, restez là, restez tous bien là. Ce qu'on peut s'offrir de pensées utopiques en 17 secondes d'espérance folle. Mais Vincent a raison, c'est juste un mal au crâne. Et puis, c'est surtout toi, Marie, qui a besoin d'écoute. Allez, dis-nous, qu'est-ce que tu vas faire avec ce bébé là? Oh là là, je sais pas. Aucune idée. Et tu vas l'annoncer comment au petit Arthur? Tiens, je pense que je vais laisser le bébé lui dire lui-même qu'il sera là, tiens. Vous devriez transformer cet événement inattendu en aventure familiale heureuse et partagée, Marie. Vous avez le choix entre vivre tout ça à l'âne, c'est-à-dire toute seule, ou à loin. Ça veut dire totalement un, en n'en faisant qu'un. Oui, ben, en l'occurrence, là, on est absolument quatre. Ah mais justement, Marie n'est plus seule. Oui, non, mais nous non plus, du coup. Mais quand même, on peut faire preuve de compassion, là. Il s'agit d'une situation grave inacceptable. Il s'agit d'un enfant à venir dont le père ne veut pas entendre parler. Ah oui, ça va bien l'aider, ta copine, d'en rajouter une couche, là, sur le déserteur. Ah mais c'en est un. La lâcheté des hommes, parfois, je te jure. Non mais, on peut aussi parler de ceux qui ne lâchent rien. Certains sans enfants peuvent pourtant avoir un grand sens des responsabilités et un vrai cœur de père. Ouais. Bah, moi, j'en vois toute la journée des futurs mariés qui souffrent d'incapacité chronique à assumer leurs responsabilités. Mais tu vas pas t'arrêter, Emma. Et rassure-moi, t'as déjà réussi à organiser un mariage qui a vraiment eu lieu? Non mais, justement, c'est souvent au moment de s'engager que les grands lâches démissionnent. Ils se dégonflent, ils annulent le mariage. Quoi? Annuler avant même d'avoir fait sa demande? Voilà, voilà. Non, mais on devrait les condamner pour ça. Moi, j'en vois tellement des femmes à l'avenir gâchées parce qu'un lâche les a plantées là. Puis, toi, Marie, franchement, tu doutais bien que ton outil tatoué s'offrait juste des lettres sympas avec toi, non? Mais oui, vas-y, continue de remuer la scie circulaire dans la plaie à vif, là. Ça va bien l'aider, la future maman. Et tu peux peut-être lui servir autre chose que des reproches. T'es vraiment obligé de répondre? Non, je cherche la touche téléportation. Oui, maman. Oui, mais non. Non, non. Là, tout de suite... En pleine exploration de l'espace sidéral situé entre Mars et Vénus. Ouais, non, rien, laisse tomber. Mais je sais pas, je vais sans doute aller couper du bois et finir de rentrer le bétail. Voilà. Et non, tout va bien, maman, t'inquiète pas. Bon, je te rappelle plus tard, d'accord? Oui, promis. Promis, non, mais promis, bon bisous, maman. Bon, on va se calmer un peu là. Emma, qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Il ne faut pas se voiler la face. On va manquer de temps pour tout, et quand il passe, il use tout. Et voilà, elle continue de creuser. Non mais, t'as été tractopelle dans une vie antérieure, ma chérie. Non, parce que dans cette vie-là, tu peux peut-être arrêter de creuser. Ah, c'est vrai, Emma. On n'évite pas le danger en anticipant le pire. Il faut chercher à être apaisé. On paie.
Exactement là où on se trouve. Et avec des gens choisis. Ou pas. Non, parce que des fois, on ne choisit pas. Hein? Pardon d'interrompre ta liaison satellite avec Gandhi, Xavier. Mais bon, puisque on parle des méchants face aux gentils, j'ai envie de dire, entre le tatoué sexuellement incontinent et le dévoué anesthésié, ben, y a nous. Ben, si, entre le tyran et la mauviette, y a nous, les hommes moyens. Alors sans doute moyennement à la hauteur de vos attentes, hein, les filles, mais on fait de notre mieux. Et puis quoi, Emma, la torpeur du banal. Non mais moi j'adore ça avec toi. Flâner le dimanche matin avec nos cabas sur le marché. Et puis remplir le frigo pour nos futurs repas en amoureux. Et même regarder un bon film le soir à la télé, là, vautrer dans notre canapé. Même aller laver la voiture avant de venir te chercher. Avec toi, j'aime ça. Ouais, ben, pense à me filer les coordonnées de la poubelle, hein, n'oublie pas. L'anticipation du pire pour excuser sa peur d'avancer, non, trop facile. Ouais, moi je suis comme ça. J'avance. Je crois même qu'en première classe, on arrive avant tout le monde. Mais c'est là, première classe, Marie. Sur le strapontin, le siège en option, dur l'atterrissage quand même. Faut que je réorganise toute ma vie. Je sais, Emma, merci. Sympa, Emma, hein, t'es la copine rêvée ce soir. Bon, Marie, on est avec toi. Et puis maintenant que ce bébé est là, lui aussi, on va faire au mieux pour l'accueillir dans de bonnes dispositions. Hein. Je me sens tellement seule. Oh Marie, un enfant est une bénédiction. Tu dois l'accueillir avec joie et exaltation. C'est vrai qu'on serait tout exalté à l'idée d'élever seul un enfant dans ce monde de tarés. Non mais oh, non mais oh, on a le droit d'être heureux. Mais qu'est-ce qui t'arrive là ce soir? Bon, chérie, est-ce qu'on peut parler deux minutes en privé? Vous n'avez qu'à monter à l'étage. Alors, maintenant que tu poses la question... Tu sais, Emma, le bonheur qu'on attend gâche souvent celui qu'on vit. L'Inde m'a appris à apprécier l'instant dans l'instant. C'est facile pour vous, les hommes. Vous n'êtes pas coursés par le temps comme nous. Le mamie blues anticipé, vous ne connaissez pas, vous. La peur de vieillir ou de finir trop tôt en grumeaux. Non, mais tu sais, les hommes qui coursent les jeunettes, c'est après leur propre jeunesse qu'ils pédalent à tout va. Moi, je les aime bien, les marques du temps sur le visage des femmes. Ça raconte leur histoire. Ben moi, il n'y a pas que sur mon visage qu'elle va se voir mon histoire. Rien n'arrive par hasard dans la vie, Marie. Ouais. Et surtout pas ce soir, a priori. Bon, Xavier, je crois que le message est clair. On ferait mieux de partir. Non, 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 non. Je vais commander des pizzas pour tout le monde. J'adore les pizzas. Alors, toi Xavier, je te conseille la lance-flamme. Ouais, ça va te rappeler la cuisine indienne. Et puis moi, je vais prendre une royale, hein. Je pense que ça s'impose ce soir. Eh ben parfait, moi je prends une végétarienne, hein, comme d'habitude. Avec quoi qu'une cannibale serait de bon coup. Bon, allez, j'appelle la pizzeria olympique. Le patron est un ex. Ce soir, encore plus que d'habitude. Là, je vois pas pourquoi, t'as toujours besoin de le préciser. Non, mais... Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, oui, c'est moi. Oui, c'est Emma, oui. Vous allez bien? Ah bah oui, 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 nous aussi, oui. Ah bon? Alors, il nous faudrait 4 pizzas, une lance flamme, une pizzeria, une royale, oui. Ah bah oui, voilà. Et oui, toujours aux avenues du sens. Oui, ça s'invente pas, ça. Ah? Ah mais non, non, c'est pas grave. On n'est pas pressé. Oh ben non, du tout, là. Oui. Finir par
Ah, il faut le meilleur pour le bébé. Comment porte-toi, Marie? Son nouveau-né est porteur d'un nouvel avenir, c'est certain. Et puis, qui sait? Peut-être qu'Emma va organiser ton mariage dans très peu de temps. Oh oui, c'est ça. Et en robe blanche, j'aurai l'air de l'iceberg qui a coulé le Titanic. Qui voudrait de moi? Qui voudrait de toi? Mais un homme chargé d'amour. Un homme prêt à épouser une femme autant que son histoire. Ton enfant n'en serait pas son fils, mais lui, il serait son père. Autant chercher une aiguille dans une botte de cheval. Petit flash info, on a récemment identifié un truc qui s'appelle l'amour. Le vrai. Mais on peut peut-être mettre de côté les mélodrames et puis croire un minimum aux jolies histoires, non? Oh bah ok, alors autant convaincre un arbre de se plier en deux. L'arbre ! Grand symbole des forces et des résiliences. Il résiste aux épreuves du temps, son ombre ne protège, il grandit droit vers le ciel et ne fait que sceller. Ouais, bah moi je vais avoir un enfant à élever. Enfin deux enfants à élever. Faudrait qu'il soit sacrément motivé, le prince charmant, hein. Marie, une vraie rencontre n'ignore pas les difficultés. On cherche tous une compagne ou un compagnon pour être accompagné justement dans nos étapes de vie. Ne dit-on pas pour le meilleur et pour le pire? Personne n'en veut du pire. Hein. Mais faux! Avec toi, j'accepte même le pire, Emma. Ben oui, on préférerait l'éviter, évidemment, mais s'il arrive, je suis prêt à l'affronter. Alors quoi, on va s'empêcher d'être heureux sous prétexte que ça peut s'arrêter? Moi, j'ai même plus peur du temps qui passe. Je veux vieillir, mais avec toi. Si tu cherches à entamer mon capital inquiétude, là, je te confirme que c'est bien engagé, là, Emma. Méchante. Bref. Bon, je propose l'apéro de la calmie. Alors, on se fait une petite route du Rhum? Non, mais en solitaire. Voilà, le bar à eau est ouvert. Hein. Bon, allez, redémarre un peu, là. Vincent, reconnais que le plus souvent tu t'arraches les cheveux et que moi je les coupe en quatre là. Allez, avoue que je ne te facilite pas la vie. Et alors, si ça me va, si je suis patient et toi impatiente et que ça fonctionne, c'est pas ça l'essentiel? Justement, demandons-nous quel est notre essentiel. Bon, toi et tes questions pleines de réponses là, c'est bon. Non mais pardon, Xavier, non mais là je nous sens à deux doigts du confirmé. Bon, je comprends pas. Regarde Vincent, moi c'est simple, tout m'angoisse et toi pour un rien, mais tout va bien. Excuse-moi de voir le verre à moitié plein. Ah, en parlant de verre, allez, je te sers. Non, j'ai du mal avec les bouteilles de Javel en fusion. Tout compliqué pour nous faire succomber aux tentations faciles. Ah, on ne se connaît pas du tout, mais on sent qu'on est bien connectés. Ah, l'univers est une banque cosmique où les retraits de bonheur sont sans fin. Et soumis aux agios. C'est la richesse universelle. Ce retrait de bonheur crée les vraies connexions, celles qui amènent à être soi face à l'autre,
sans peur et sans danger. Ah ben là, tu vois, pour une fois, je suis d'accord. Non mais regarde, Emma, je me suis jamais senti autant en phase avec moi-même que depuis notre rencontre. Je n'ai jamais cherché à me changer. Mais je t'aime comme tu es. J'aime tes excès, tes défauts, parce que tout ça, justement, c'est toi. Ah ben c'est moi. Ah ben oui, c'est moi qui complique toujours tout. On te le fait pas dire. Ah ben, je préfère être légère comme toi, Marie, et m'offrir de mémorables récréations. Enfin, plus mémorables, c'est compliqué même. Attends, c'est ça le problème? Tu veux t'offrir des récréations? Non mais, oh, mais ça veut dire quoi ça? T'es jalouse de tes copines célibataires? Ah mais non! Non. J'aurais aimé un nom bien franc, je le sens pas trop là. Moi par contre, je sens bien arriver une attaque de nausée matinale. Il est 20h30, Marie. Attends, quand on est seul, on aimerait être deux, et quand on est deux, on regrette le temps où on était seul, c'est ça? Non, mais un peu quand même. Quand on est seul, tout est encore possible. Quand on est deux, tout semble tracé, on a un peu l'impression d'avoir plus rien à attendre. C'est n'importe quoi, mais non, mais quand on est deux, on continue d'avancer, de construire, on a des tas de projets. Non mais rien ne s'arrête, c'est tout le contraire même. Mais attends, j'en vois toute la journée, moi, des futurs mariés. Rien n'a obligé à se marier, là, ils se prennent la tête pour des détails ridicules. Ça en dit long sur leur peur, non? Leur peur ou les tiennes, Emma? Mais celle de chacun sur l'engagement, je crois. Non, à mon avis, ça ressemble vraiment à un transfert personnel, là. Parce qu'à nos âges, on a plus le temps de perdre du temps, tu vois, on peut encore moins se tromper. Et quand le temps ne s'est compté, on apprend à en profiter avec moins de peur et moins d'hésitation. Oh là là, l'avenir, oh, cette terrible menace. Non mais moi, je ne douterai pas de mes choix tant que le destin ne m'aura pas avoué que je me suis trompé. Voilà. Dis-moi, il n'aurait pas une odeur de cramer ton destin? Pourquoi tu dis ça? Oh non, c'est moi. En matière de pire là ce soir, on n'est pas déçu, hein, là c'est open bar. Justement, moi après toutes ces émotions, je m'en jetterai bien un dernier pour la route. Ah ben non, en parlant de route là, vous deux, s'il vous plaît là, reprenez la vôtre. Allez, hop, vous allez danser la vie ailleurs, au lieu de mettre la nôtre en danger ici. Allez, on se bouge, on fait un pas en avant et 41 sur le côté. Ah non, attends, on a prôné le pire là. On va célébrer la vie tous ensemble. C'est vrai, Emma. Il est urgent de vivre, mais vivre apaisé, tout en pimentant sa vie de réel. Bah, t'as l'air bien apaisé, toi. Tu réagis au verbe pimenter?
où tu fais des nausées matinales par mimétisme. Ah, en parlant de mimétisme, tu noteras que le père d'Arthur a quitté Marie alors qu'elle était enceinte et Blanc rebelote avec le parasite tatoué. Tu veux parler des gens qui quittent vraiment pour rien? Pardon Xavier, je te connais pas, mais on part pas vivre à l'autre bout du monde sans fuir quelque chose ou quelqu'un. À croire que les femmes ne partent jamais, elles. Un homme parle plus souvent pour une autre. Quand une femme part, c'est pour se retrouver elle-même et reprendre sa liberté. Et ça laisse sur le carreau des amoureux sacrifiés. Oh non, il va y avoir surpopulation là. Je peux aller ouvrir si tu veux. Oui, bah c'est ça, vas-y, fais comme chez moi. En pleine quatrième dimension. Bon, alors, tu peux lui dire quand autour de toi, au lieu de tourner autour du plot? Du pot, Marie, c'est autour du pot. Ah, bah ça, on peut le dire, il a pas de pôle, Vincent. Hein. Bon, tu vas lui dire quand? Dire quoi? À qui? Dire à Vincent qu'elle a l'intention de le quitter. Ah? Quoi? Mais quoi? Mais pourquoi? Mais non! Ah non, non! Ça va lui faire de la peine! Il a l'air tellement amoureux! Ouais, c'est pas parce qu'un homme est amoureux et charmant que la vie est un conte de fées pour autant. Hein. Ah, mais la sorcière, par contre, elle, on la cherche pas. Hein. Mais tu sais quoi, ma cocotte? Quand le prince n'est ni amoureux ni charmant, eh ben c'est beaucoup moins sympa, crois-moi. Mais toi, pardon, excuse-moi, madame, il vous faut un super-héros. Attends, l'épouse multifonction, là, elle peut concourir au titre de super-héroïne? La super-nana, super-copie, super-pro, super-maman, super-bombasse. Je ressens beaucoup des colères en toi, Emma. Tu sais, en Inde, on prend soin du jardin de son âme et on cultive l'émerveillement au quotidien. Les pensées positives créent des grands miracles, Emma. Ou de gros dégâts, parce que si on s'escrime à voir la vie tout en rose, on a des chances de finir déconnecté de la réalité. La vie n'est pas que belle. Mmh. Elle est bien pourrie aussi, ouais. Qui c'est qui est bien pourrie? Ah là, ce défibrillateur. Il défibrille dans le couloir, nana. On va pouvoir faire des infarcts en rafale, tout ira bien. Tu pourras faire autant d'exercices physiques que tu veux. Et sans danger. Sauf que en 17 générations, il n'y a jamais eu de sportif de haut niveau dans la famille. Encore moins des pilotes de F1. Et tu ajoutes à ça une consommation d'alcool toute mesurée, exclusivement les week-ends et les jours fériés. Vaut mieux ça que commuer la salutaire prise quotidienne d'un verre de vin en 7 verres ingurgités le même soir. Allez, je propose que chacun s'apaise et qu'on s'interroge ensemble sur l'humilité, la lucidité et la sobriété nécessaires pour préserver ce qui nous est le plus sacré. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Non mais, hey, toi Xavier, tu serais le genre à organiser un séminaire sur la gestion du stress juste au bord du gouffre de Padirac. Ou sur l'île de Pâques, non? Oui, maman, quelle surprise! Oui, oui, mais non. Non, non, ben non, et peut-être même plus, non. Ouais. Non, mais c'est blabla lente ce soir à la maison. Alors, Marie nous a fait une visite surprise, et puis Xavier, alors lui, il nous a fait l'immense honneur de se précipiter chez nous dès l'arrivée de son avion, là, depuis Bombay, Calcutta et Pondichéry. Ouais, tout pile ce soir, exactement, comme tu dis, moi. Ouais, bon, ben, écoute, je te rappelle, hein, oui, oui, promis. Oui. Bon, bah, maman, j'attends un coup de fil de toi très urgent d'une minute à l'autre. Allez, bisous. On en était où, là? Il fait chaud ici, non? On parlait de ceux qui croient toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Non, vraiment. Vous n'avez pas chaud, vous? Moi, je dis juste qu'on peut craindre de se retrouver piégé par des décisions de vie qu'on peut finir par regretter avec le temps. On peut aussi
aussi ne jamais les regretter. Non, mais moi, je préfère être optimiste, quitte à me tromper, plutôt qu'être pessimiste et avoir raison. Mais ça rend pas optimiste de constater qu'on est socialement vieux de plus en plus jeune. Ça nous oblige à vivre de plus en plus vite. Justement, revenir à l'apaisement est un acte de haute résistance. Moi, je ne résiste jamais très longtemps. Hein. Eh ben, résister, c'est peut-être douter, réfléchir, prendre son temps, tu vois, pour pas se tromper. Oh là là, l'inertie du doute. Alors là, ça fait du bon ciment pour monter des murs. Non, mais moi, je préfère avancer, tu vois, mais avancer à deux. Seul, on va vite. À deux, on va loin. La prise, pas assez loin pour éviter de revenir là tout pile le mauvais soir. Et puis, dans un état, franchement, un état comment dire Je suis parti seul pour me retrouver. Maintenant que je me suis retrouvé, je suis prêt à ne plus être seul. Oh là là. Mais tu passes quand même un grand moment de solitude là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Non. Rien. Ça doit être le jet lag. Petit coup de chaud sans doute. Rien à voir avec des crampes d'estomac. Ou, ah, je sais. Une overdose d'ablution dans le cange. Hein? Est-ce que ça ressemble à ça quand même là? Non, pas du tout. L'Inde m'a appris à reconnecter mon corps et mon esprit. Ils vont se remettre doucement en harmonie. Non, mais de l'extérieur, ça a l'air quand même bien bordélique. Alors, franchement, si on peut faire quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas. Voilà, ta phrase favorite. N'hésite pas. Parce que toi, tu n'hésites jamais. Tu ne te dis jamais, j'aurais pas dû, j'aurais mieux fait d'eux. Lâche rien, toi, ce soir. Oh, mais bien sûr que si, j'hésite, comme tout le monde. Seulement, j'essaye d'assumer mes choix au mieux. Mais t'inquiète pas, hein, il est toujours temps de déconstruire ou de tout recommencer. Seulement, il faut du courage et une sacrée dose de volonté pour faire ou défaire, Emma. Alors, moi, j'ai croisé des types qui avaient un courage dingue. Et le courage de rester, ça fait partie du débat? Ah non, mais moi, il n'y a jamais eu débat, hein. J'ai jamais réussi à les faire rester. Quand je pense qu'il y en a qui feraient tout pour qu'ils partent... Ah mais toi, t'es un vrai clou qui peut pas se passer de marteau. T'en as pas marre de prendre des coups? Oui, ben moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je tourne pas en rond, je noie pas le poisson, d'accord? Et voilà, on essore le gange. Non mais, clairement, ce soir, on a semé les graines du désastre. Mais quel désastre! Je m'interroge juste. Ça n'a rien à voir avec... Enfin, pratiquement pas. Assez peu. Kuba, tu veux que je te prête un marteau? Allô, oui? Ah,
sketchs et cette soirée. Bon, écoute, il faut lui ouvrir parce qu'il va nous faire péter les fusils. Allez, laisse-moi faire. Laisse-toi, tu vas voir que je vais gérer. Bon, les pizzas, vous les prenez ou pas? Parce que si vous les prenez pas, ben faut les payer quand même. Hein? Oui, bien sûr qu'on les veut, les pizzas. Tu crois qu'on les veut et qu'on va les payer? J'ai pas de monnaie. Ah, c'est l'acte 2 du sketch. Pardon, bougez pas, hein. Reculez juste un peu. On va vous faire patienter là-bas, monsieur. Allez, on y va. C'est gentil. On continue. Voilà. Voilà. Vous allez là, dans le couloir, parce qu'on ne vous a pas invité à rentrer tout de suite. D'accord ? Patientez. On va chercher de la monnaie. Hein. Vite, trouve de la monnaie, allez. Oh, mais attends. Je suis sûr que lui, il en a. Il a bien préparé le voyage, le type. Oh, là, là. Hey! Tu peux quitter l'hôtel demain? Non! On a des problèmes de tuyauterie. Oui, voilà, c'est ça! J'ai oublié mon téléphone dans ce coup de livraison. Ah, c'est inutile. Ah non plus, non. Dites, vous n'allez pas vous mettre en retard sur votre programme de livraison? Ben, si vous vous décidez à me payer ce que vous me devez, ça se passera bien. Sinon, ok, chérie, va voir dans la chambre, dans la table de chevet, là, j'ai toujours de la monnaie. Vas-y, pendant ce temps, je monte la garde. Enfin, les pizzas, je les garde. Passez vos coutils. Ah bah non, là, ce sont... Ouais, bah cool. C'est moi, ton mec. Ça va, sauf que je suis avec des mauvais payeurs, là, qui me font perdre mon temps. Mais je vais passer comme prévu. Ah, je t'avais dit que ma femme partait ce soir. Ce soir, tard. Ah, je fais mon max, moi, bébé. Ouais, j'ai dit bébé. Et alors? Allez, j'ai pas le droit de t'appeler bébé. Pardon? Comment? Quoi, tu t'es bien fait tomber enceinte, hein? Mais je suis pas débile, je sais comment on fait les bébés. Ah bah oui, ça c'est même sa spécialité, ça. Deux pizzas achetées, un bébé offert. Je vais peut-être pas pouvoir passer, en fait. Non. Non, c'est à cause de... C'est la faute de l'autre, là, qui veut pas me payer ce qu'il me doit. La fois où j'ai dû emmener le mec aux urgences. Ouais. Je te rappelle que ça m'a pris une bonne partie de la nuit. Exactement, cette fois-là. Quoi? Oh non, j'étais pas avec ta cousine! Arrête un peu avec ça, sérieux! Oh. Je vais pas passer du tout, en fait. J'ai d'autres projets! Voilà, j'ai trouvé un peu de volet. Tu te fous de ma gueule, y'a même pas 10 balles et ça fait 56! Vincent, qu'est-ce que tu fais là? Je vais sortir la poubelle. Mais tu déconnes là! Urgence pour beaucoup de médecins.
On n'allait pas s'en sortir. Ah, Marie, je crois que je vais vomir. Et moi, je vais archiver chaque minute de cette soirée. Phaser là, tu peux pas rester à roupiller tranquille au milieu du salon. Bah, moi je te jetterais bien dans une arène remplie de féministes, mais bon, si j'arrive à te sortir de là, déjà ce sera pas mal. Alors, on y va, mon gars. Mais fais une tonne, con. Ok, let's go. Monsieur Lambert, Vincent Giuliani, du numéro 2. Oui, oui, deuxième entrée, deuxième étage, porte 2 à droite. Voilà, ça fait toujours rire, jamais compris pourquoi. Bref, alors, je vous appelle, oui, parce que je voulais vous dire, comment vous dire, le défibrillateur que vous avez installé dans le couloir. Oui, eh ben, on l'a essayé, il marche pas. Mais en plus, il va falloir appeler une ambulance. Parce qu'il y a un livreur de bébés qui a fait un malaise juste devant notre porte. De pizza, oui, pardon. Un livreur de pizza. Mais pourquoi je n'appelle pas moi-même l'ambulance? Excellent ça, monsieur Lambert. Excellent. Eh ben, bonne question. Pourquoi je ne l'appelle pas moi-même? Eh ben, parce que... à moi-même... je me sens pas très bien. Non, ça vient pas d'arriver. C'est depuis que j'ai mangé sa pizza. Oui, là, j'ai peur que ce soit terriblement contagieux. Oui, non. Bon. Monsieur Lambert, écoutez, je vous laisse gérer. Moi, il faut que j'aille vomir mes tripes. Ah. Vincent, c'est nous. Ah ben, sans blague, on attend quelqu'un d'autre. Alors, fais voir le teint. Fais voir ça. Oh, ben voilà. Là, t'as moins le teint couleur bouillabaisse. Ça va mieux, là, Vishnu. Ah, bravo. C'est la référence tout trouvée ce soir. Vishnu s'incarne dès que le monde est menacé par le chaos. Et rassure-moi, il s'incarne pas en livreur de pizza. Non, parce que sinon, on est mal. Il a tout un tas d'avatars, figure-toi. Mais je n'ai jamais entendu parler de son apparition. Mon livreur de pizza. Ah. Humour indien. Voilà. Merci pour tout, Marie. Ah, merci, Marie. Merci d'être occupée de nous pendant que Vincent s'occupait de nous. Des pizzas. Mais oui, les pizzas. Ah, moi, je peux rien avaler. Ah, moi non plus, ça risque pas. Oh là là. Non, mais moi non plus, il faut que j'arrête de manger pour quatre. Donc, non, mais sérieux? Tout ça pour ça? Oh là là, et... Moi, je serais prêt à ramper sur du verre pilé si on pouvait m'assurer que plus personne ne viendra ici ce soir. Allô? Oui. Oui, monsieur Lambert. Pourquoi? Ah non! Ça va beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, oui, je me remets peu à peu. Oui.
De quoi? Lui? Pff, non. Quoi, il est vivant? Il se rappelle plus de rien? Eh ben, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Ben ouais, pourquoi tant mieux? Mais parce que dans la vie, il faut avancer, monsieur Lambert, hein, et il faut tirer un trait sur les mauvais moments. L'univers est une banque cosmique où les retraites bonheur sont sans fin. Eh oui, monsieur Lambert, voilà, ben faites ça, vous le livrez là-bas, enfin, vous le déposez. Ouais. Ah, attendez, n'oubliez pas de lui dire qu'on embrasse le patron. Namasté, monsieur Lambert. Voilà. Eh bien, comme quoi, ce soir, il doit y avoir un dieu, quel qu'il soit, à trois ou quatre bras. Ouais. D'ailleurs, et ça m'aurait bien aidé, hein, tout à l'heure. Pourquoi faire? Pour porter quatre pauvres cartons à pizza? Ah, mais moi, j'ai plus une miette de self-control, là, ce soir. Ressaisis-toi un peu, Vincent, parce que moi, j'ai juste besoin d'un peu de calme. Justement, pour revenir au calme et à l'harmonie, je propose un court moment de prière partagée. Ou une lobotomie collective. Allons, méditons. Allez. Oh, pas facile de garder la foi. Allez, on s'accorde quelques minutes de relaxation, de silence et des communions. Tous les quatre mains dans la main. T'es plein de mots qui font du bien, toi. Ah ben, vaut mieux ça qu'être plein de vent. Tu peux nous épargner tes sarcasmes, Vincent, ou tu préfères repartir faire un tour avec la poubelle? Tu sais que je vais finir par changer d'avis sur toi. Il serait pas impossible que ce soir, tu vois, je n'ai un peu rien à foutre. Allez, on se calme, on se ressaisit. Vincent, tu dois te reconnecter avec ton intériorité et être à l'aise avec ça. Ah, je me sens comme un végétarien au milieu d'un congrès de boucher. On prend une grande inspiration. Mais décongèle un peu, Vincent. Mais tout est trop bien sécurisé avec toi. La sécurité, c'est bien, mais je sais pas, moi. Allez, un peu de risque, un brin de fantaisie, voire un grain de folie, c'est bien aussi. Merde! Et on expire profondément. De la folie et de la fantaisie? Non, mais attends, c'est ça que tu veux de moi? Non, mais c'est ça que vous voulez tous de moi? Non, mais moi aussi, hein, je peux aller partir du jour au lendemain. Hein? Je peux courir là et m'agiter ailleurs. Tiens, est-ce que je peux aller au Pérou? Voilà, avec mon petit sac en bandoulière, un dos d'alpaga, on y va. Et puis tu sais quoi? Je vais m'offrir de merveilleuses récréations avec toutes les livreuses de pizza du pays. Et puis après, je reviens. Non mais comme ça, hein, tranquille, fier de moi, là, dans 4 ou 12 ans, du haut de mon ego stratosphérique, je vous explique la vie. Non mieux, je vous explique que vous n'avez rien compris à la vie, et à l'amour non plus d'ailleurs. Ah, tu vois, moi aussi, je peux aller voir ailleurs si j'y suis, et surtout si vous n'y êtes pas. Et on prend une grande Non, ma chérie, non, pleure pas, écoute, je suis désolé. Je sais, la journée a été dure, on devait se détendre tranquillement, et puis la soirée a foiré, là, voilà, je suis désolé. Mais je suis trop mauvais, je te mérite pas. Mais non, mais dis pas ça, écoute, je te jure, là, je voudrais qu'on reprenne tout depuis le début. Moi aussi, je voudrais bien tout reprendre depuis le début, mais le début d'il y a 3 mois. Ah, pas moi. Je suis parfaitement bien ici et maintenant. Oui, bah, et ici et maintenant, si vous pouviez nous laisser un peu tranquille avec Emma. Mais l'univers, les planètes, les étoiles, leurs satellites, vous seraient éternellement reconnaissants. J'ai très froid là, j'ai envie de vomir. Attends, je vais te donner ma veste. Non, mais cette soirée est un fiasco 4 étoiles. Tiens, double veste. Vincent. Je comprends précisément ton envie de te retrouver seul avec Emma. Mais es-tu prêt à ça? Quoi? Pourquoi tu me dis ça? Prêt à quoi? Es-tu prêt à me voir partir d'ici à peine arrivé sans savoir nulle part où me réfugier? Ah, mais tu peux venir à la maison si tu veux. C'est celle de mes parents et avec mon fils on vit à l'étage.
Je ne sais pas, Marie. C'est une proposition d'une grande générosité. Et je l'apprécie au plus haut point. Mais redescends, redescends de ton plus haut point et vas-y. Vas-y, hein, Xavier. Allez, vas-y. Vas-y en paix. Et je viens avec vous. Hein, quoi? Mais pourquoi? Bah parce que... Pourquoi? Parce que... On est en pleine régression, là. Qu'est-ce que c'est une plaisanterie? Écoute, je me sens complètement à côté de la plaque, là, et complètement dans les vapes. Dans les vapeurs d'alcool? Ouais, non, ça, c'est différent. Et quoi, pour dessouler, t'as décidé de découcher? Oui, enfin, non, écoute, je suis fatiguée. J'ai besoin de me reposer et un peu de temps. Et quoi, du temps loin de nous? Oui, enfin, non, je sais... Eh ben, éclaircis un peu, là, parce que moi, je comprends rien. Attends, t'as décidé, tout pile ce soir, de te brouiller définitivement avec notre avenir? Mais non, mais reste, on en parle. Mais non, mais arrête avec tout pile ce soir, là, qu'est-ce que t'as? Je comprends rien. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Non, non, assez de bla bla bla. On l'embarque, elle roupille une bonne nuit, elle reprend ses esprits et je t'appelle demain quand elle ouvre un œil, d'accord? Tiens, mon frère, c'est pour toi. Comme ça, tu ne seras pas seul ce soir. C'est Ganesh, le dieu protecteur. Ou son équivalent que j'ai trouvé dans une boutique de l'aéroport.